Ohayo gozaimasu, minasen. Il est 21h21, je ne mens pas, avec le petit fond d'écran Koro Sensei. Les amis, aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour votre dose de frissons, parce que ce soir, nous jouons à un jeu d'horreur qui m'a l'air effrayant. Nous sommes sur Dark Deception. Apparemment, c'est un jeu de labyrinthe d'horreur. J'ai vu un petit extrait sur YouTube et ça m'a beaucoup fait penser à un Pac-Man, mais version horreur. Donc, j'avais vraiment envie de voir ce qu'était ce délire. Du coup, on est chaud, on porte nos couilles et on est parti. Oh! Sexy la madame! Bonjour! Brace. Oh, another one. Oh! Encore un? Nice to have some company. C'est bon d'avoir de la compagnie à nouveau. Come over here. Viens par Let's ici. Have a look at you. Voyons ce que nous avons là. You disappoint me, love. Tu me déçois, really chérie. Do. Vraiment. So tant de peur, fears. Tant de désir. So je pensais que tu serais plus grand. Ne t'inquiète pas. I know everything you've got hidden in that brain. Je sais tout ce qui se passe dans ta petite I know tête. All the terrible things you've done. Je sais toutes les affreuses so choses que tu as faites. Intentions tant de bonnes intentions gâchées. I could see the regret. Je peux voir du regret consumer ton heure. Ah, mais ton heure est venue à présent, et te voilà ici, à ramper et t'apitoyer sur ton sort. You can't go back. Tu ne peux pas revenir en arrière. Seule la mort t'attend là-bas. N'aie pas peur, chérie. Tu as du potentiel, je le vois en toi. Et je peux t'aider à changer ton sort. Mais si tu veux une nouvelle vie, tu vas devoir souffrir un peu pour l'avoir. Beer's Bar Room. Les fragments d'un puissant anneau sont cachés dans des cauchemars derrière chacun de ces portails. Trouve-les et ramène-les-moi. Oh, c'est joli! Et tu auras ton souhait. Échoue, tu verras qu'il y a bien pire que la mort qui t'attend ici. Waouh! Hey, cette salle est magnifique. Je suis désolé si je vais tousser dans cette vidéo, pardon, parce que je suis encore un petit peu malade. Je ne suis pas totalement guéri. La salle, elle est magnifique, j'adore. Par contre, elle, on dirait un petit peu une méchante. Attends, par contre, frère, elle a des boobs. C'est un truc de taré. Hein. Bon, on va pas faire trop le pervers, mais waouh, magnifique. Allez, on va s'aventurer. C'est parti. Ouh. Je suis pas trop rassuré. Donc là, on va vers l'obscurité, quoi. Ok. Il y a un petit singe là. Quel charmant petit hôtel. Ça te rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôtel? Dis-moi tout. Ah, c'est cosy, hein? C'est plutôt joli, moi j'aime bien. Hein. Avec la petite cloche là. Bonjour. Je voudrais une petite binouze. Il y a quelqu'un? Oui, sauf que c'est un comptoir d'hôtel. Pas un comptoir de bar. Alors, bienvenue, petit déjeuner et meurtre. Tous les jours, jusqu'à 10h du matin. Eh ben, très bien. Ok. Oh, bonjour petit singe. Oh, oh la vache. Petite surprise. Bon, il en faut plus. Hein. Il en faut plus pour me faire peur. Alors lui, par contre, il va aussi me sauter dessus. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il va nous sauter dessus, lui? Bonjour. Non, lui, il est sympa, ok. Oh, et c'est quoi ce truc au fond, là? Oh la vache! Ok. Et moi, je fais quoi, là? Oh my god! Il y a quelque chose à faire, hein? Mais faut peut-être attendre en fait, faut peut-être être patient. On est toujours pressé, c'est un truc de fou. Prenons notre temps de jouer un petit peu. Hop. Ça me fait penser à la suite 776 avec l'ascenseur, la petite cloche, le petit hôtel là. C'est plutôt cool, ça ramène, ouais, ça rappelle des petits souvenirs. Hein. Oh. Alors, appuyez sur X pour éviter le tutoriel. Alors, ce sont des éclats d'âme, fragments de l'esprit humain dispersés dans les couloirs de ce petit labyrinthe. Chaque cristal est le reste de ceux qui ont perdu la vie ici. Récupère-les toutes et le premier fragment d'anneau sera à toi. Une dernière chose. Tu n'es pas seul. Il y a des monstres ici et ils sont à tes trousses.
Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Elle peut détecter la position de chaque éclat. Elle a été laissée ici par le dernier invité qui m'a déçu. Une fille très intelligente, mais pas très rapide. Assez d'instructions. Casse ces planches et que la fête commence. Yeah. D'accord. Alors, récupérer toutes les âmes pour essayer de rompre la barrière. D'accord. Et donc, il faut que je récupère ces genres de cristaux. Alors, j'ai vu donc une petite vidéo où j'avais vu que c'était un sort de Pac-Man. Et on se faisait justement courser par des monstres. C'est quoi ce petit truc qui clignote? Ok. Très bien. Et donc là, on peut pas rentrer. Hein. Et donc là, on a... Ah ouais, on a beaucoup de cristaux à récupérer, par contre. Hein. 282. Ah, ça fait pas mal, par contre. Hein. Bon, bah, très bien, écoute. Hein. Allez, c'est parti. Alors, attends, on peut courir, hein. Ah oui, on peut courir. Hein. Fuck. Oh oh, t'as la vache! Il m'a surpris de botch. Ça va, toi? Tu vas bien? Toujours en place? Donc, effectivement, il y a des monstres. Il faut que j'arrête de toucher mon nez, là. C'est une folie. Et du coup, ouais, il faut qu'on court pour récupérer les cristaux, quoi. Il faut pas qu'on se fasse choper. C'est exactement le Pac-Man. Oh, oh non! Cours! Ah, le... Ah, oh, c'est stressant! Oh! Oh man, mais le bruitage des pas quand ils viennent sur moi, ça me fait stresser de fou, mec. C'est stressant de botch, ce jeu là. Ouais, on peut vraiment pas passer par les portes. Et c'est quoi ce gros truc, hein? Ennemi révélé, d'accord. Hein. Donc là, je... Ah ouais, effectivement, d'accord. Hein. Oh, je peux voir les ennemis maintenant. En fait, il faut regarder que la carte sur ce jeu là. Oh putain. Oh, oh, ils me prennent en sandwich. Oh, un troisième. Allez, une trace de feu. Trace de feu, on récupère les cristaux. On bouge notre bouboule. On bouge notre bouboule. Donc il y a trois monstres pour l'instant. Trois monstres. Est-ce qu'il y a que des singes ou est-ce qu'il y a des... d'autres monstres? Et la musique, elle est stressante. Oh, on est passé très près de lui, là. Il nous a frôlé le cul, je crois. Ok. Ok, ok, ok. Là, on est pas mal, là. 190 cristaux. On est trop chaud, mec. On est beaucoup trop chaud, je crois, hein, sur ce jeu-là. Ah, il faut aller où? Ok, par là. À gauche, à droite. Oh non, pas à droite. Ah, laissez-moi tranquille. On est chaud, là. 150, 150, hein. Tu as récupéré la moitié des éclats. Impressionnant. Oh, en plus, on l'impressionne. Elle va finir dans notre lit, là. Oh, il est bugué, on dirait. Ah, merde, je peux pas passer. Il vaut mieux courir, je pense. Hein. Je sais pas pourquoi il bougeait plus, là. Je crois que c'est parce que j'ai récupéré un sort de truc qui les a bloqués. 120 cristaux. 118, 117. Oh! Oh, je me suis perdu. Je suis dégoûté, mec. Il manquait pas beaucoup de cristaux à récupérer. Hein. Vous êtes mort, d'accord. Donc là, j'ai perdu, en fait. J'ai trois vies. Ah, mais comme au Pac-Man, en fait. Voilà, j'ai trois vies pour récupérer tous les cristaux. Bon, cette fois-ci, on réussit. Hein. On fait pas le con. Allez. 280... Ok, 272, 271. Eh mec, on compte les moutons, ça se passe comment? Il y en a 10 000 par contre à récupérer quand même des cristaux. Allez, on est chaud. 263, 262, 261, 260. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.
On est lancé là. On est lancé pour réussir le jeu. Oh, 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 oh. Ah. Oh non. Je veux, par contre, je veux réussir le jeu, hein, je vous préviens. Je pars pas tant que j'ai pas réussi le jeu. Moi, je suis déter sur ces jeux-là. Je suis un gros tryharder sur ce genre de jeu. Je kiffe le Pac-Man. Mais là, Pac-Man version horreur, hein, c'est tout ce que j'aime. Oh putain. C'est pas passé loin cette fois. Hein. Ok, pas mauvais. On n'est pas mauvais. Apparemment, on n'est pas mauvais. Alors, je sais pas pourquoi il y a mon alarme qui sonne. Vous l'entendez certainement, mon alarme. Je suis en train de jouer, il y a peut-être un cambrioleur dans ma maison, c'est chaud quand même. Cette dépendance aux jeux vidéo est devenue invivable. Mais vu qu'il y a mes parents, je trouve ça bizarre. Hein. Pourquoi elle sonne cette alarme là? Putain, je suis en train de jouer, c'est chelou. Attends. Ok, c'était rien, il n'y a pas de cambrioleur. Je suis rassuré. Non, parce que je joue déjà un jeu d'horreur, si en plus il y a des cambrioleurs chez moi. C'est quoi ça? Je suis revenu au début, quel con! Non! 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 Respire. Breathe, Johnny. Breathe. Non! C'est la quatrième ou cinquième game que je fais là. J'ai toujours pas réussi. Mais je n'abandonnerai pas. Je suis un fou. Mec, 6 cristaux. 5, 4, 3, 2. Oh mec, on a gagné. Tu as récupéré toutes les éclats d'âme et les monstres se déchaîneront. Quoi? Retourne au fragment d'anneau avant que Monsieur Monkey t'attrape. Mais c'est une blague. Il est où le truc d'anneau là? Oh, j'ai cru que c'était fini moi. Oh, il est là-bas. Oh, il y a le truc d'anneau là-bas. Oh! Retour! Oh putain, on a réussi! Route, il sait que tu es là! Fonce vers le portail, vite! Il faut que je. Ah, c'est pas fini encore! Non, frère! Oh non! Non, mec! Oh man! Ah, oh, j'ai recommencé tellement de fois! Oh, je crois que j'ai dû recommencer 9 fois, 9 parties, sans réussir une seule fois. Et là, bam! Oh, yes, man. Run! Oh, putain! There's no escape for you, mortal. Oh. You escaped, man! Damn, man! J'ai enfin réussi. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai tellement tryhard le jeu, mais j'ai fini par réussir, donc ça me fait plaisir. Je suis trop content. Good! Tu as réussi. Et tu as pu rencontrer mon ami. Plus tôt que je l'espérais. Beers, toujours aussi persistante. Après tout ce temps, ne l'écoute pas, mortel. Elle veut juste t'utiliser. Donne-lui l'anneau et il y aura des conséquences. Oui, mais... Est-ce que je dois vraiment écouter un œil ou écouter une femme Hein? Moi j'écoute la femme, hein. C'était ton seul avertissement. Aide-la et tu souffriras. Ouh, j'ai peur! Ne fais pas attention à lui. Ses pouvoirs ne peuvent pas t'atteindre ici. Le fragment. Place-le sur l'autel. Tout de suite. Oh, les yeux, elle est creepy là. Hein. Par contre, tu me donnes pas d'ordre. Hein. C'est moi qui décide ici. Hein. Ça fait tellement longtemps. L'anneau est appelé l'énigme du paradis. Quel nom ironique, tu ne trouves pas? Il contient le pouvoir d'un démon, la créature d'une cruauté infinie que tu viens de rencontrer, Malek. Complète l'anneau et tu pourras utiliser les pouvoirs de Malek pour satisfaire tes désirs les plus obscurs, d'après la légende. Ah, et on retourne du coup dans ce fameux hall. Plus que 8 fragments à trouver. Prêt pour un autre cauchemar? Non, je ne me réaventure pas. Oh putain, il y a une suite, hein. C'est une blague.
Non, je fais pas. Hein. Bon, bah, les amis, je vais mettre fin sur ça. J'ai galéré comme un porc. J'ai dû recommencer, je pense, une dizaine de fois afin de réussir le niveau. Je suis plutôt un noob. Mais au moins, j'ai eu le mérite de réussir. Donc, je suis assez fier de moi quand même. Même si c'était un jeu un petit peu débile. J'espère que ça vous a quand même plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Allez,